On pourrait mettre un masque. C'est un peu tard, vous ne croyez pas? Si on vous suit, nous avons déjà été largement exposés, non? Monsieur Pratt? J'essaie de trouver un indice sur cette bestiole. Elle se déplace vite. Ça veut dire qu'elle se transmet par l'air. Elle a une période d'incubation de moins de 48 heures. Quelle va être la prochaine étape? L'isoler et l'identifier. Mais les analyses effectuées n'ont pas été très probantes. En résumé, ça a tout l'air d'être un virus, parce qu'il provoque une forte fièvre et des complications respiratoires. Et jusqu'ici, il paraît ne pas réagir au traitement classique appliqué dans ces cas-là. Traquer cette maladie mystérieuse et réussir à la guérir risque de durer encore des semaines. Et toutes celles qui n'ont pas été exposées devront porter un masque. Il me faut ordonner une quarantaine envers tous ceux qui ont été en contact avec une personne atteinte. Quel que soit ce virus, il doit venir de Chine. On le sait. Vous le savez? Tout de suite après avoir été alertés, nous avons envoyé un avis de recherche à tous les hôpitaux pour savoir si d'autres patients avaient été admis avec les mêmes symptômes. À ce jour, il y a 16 cas dans le Nord-Est, 4 dans un état critique et surtout 2 décès. Tous des passagers du même vol ou des proches de ces mêmes passagers. C'est très clair, et parmi elles, combien ont pu être sauvés et guéris? C'est trop tôt pour le dire. Oh mon Dieu, je viens de trouver les cellules. Alors c'est la chloroquine qui a fait ça? C'est la chloroquine qui a fait ça? Mais c'est un médicament employé contre la malaria, hein, docteur? On a de la chance. D'après certains docteurs chinois confrontés aussi à ce même virus, ceux de leurs patients qui avaient aussi la malaria sont les seuls à avoir survécu. La chloroquine qu'ils utilisaient contre la malaria a éliminé les enzymes qui sont nécessaires au virus pour survivre. C'est lui. Voilà votre virus. Classé canton AB6, rétrovirus. Je suis désolée, mais rien ne peut guérir ça. La chloroquine agit contre la malaria et c'est tout. Non. Écoutez, en Chine, il y a des survivants. Ça élimine les enzymes. Oh, Johnny! Je ne vais même pas essayer de prétendre avoir compris de quelle façon vous avez réussi, mais vous aviez raison. On a soigné tous les enfants à la chloroquine et ça a coupé net tous les effets de l'infection. Vous avez pris de vitesse tous les chercheurs officiels qui auraient trouvé, mais pas à temps.